Gaston Phébus, comte de Foix et souverain de Béarn, a épousé Myriam, qui depuis toujours fut la compagne de ses jeux d'enfant. Un amour passionné unit ces deux êtres. Répondant à un appel du roi de France en guerre contre l'Anglais, ils se rendent à Vincennes. Phébus est accompagné par ses deux fidèles amis, Espin et Ernoton, ainsi que par son oncle Corbéran, bâtard de Foix, qui le conseille avec sagesse. À la bataille de Crécy, la chevalerie française est décimée. Phébus regagne le Béarn et y passe des jours heureux en compagnie de Myriam. Cependant, Agnès de Navarre, follement éprise de Phébus, est prête à tout pour le conquérir. Elle obtient l'aide de son frère, le médiocre Charles de Navarre. Une lyre empoisonnée par un homme à sa solde, et en quelques heures, Myriam, la jeune femme du comte de Foix, meurt dans d'atroces souffrances. Phébus a vite fait de découvrir la vérité. Il retourne à Vincennes, décidé à se venger. Qui arrive au château? Le comte de Foix, Majesté. Je vais me retirer, Majesté. Allez, allez. Je vous remercie. Vous m'avez trahi! Trahi! Vous, mon vassal! En vous retirant avec votre armée, vous avez permis à Calais de se rendre à l'Anglais! Notre armée était bien seule, sire. Vous aviez levé le camp. Pourquoi aurais-je vaincu moi seul quand vous aviez renoncé? Devant l'importance des forces ennemies, je suppose. S'il y a un traître, c'est donc moi. Calais a soutenu votre cause plus longtemps que vous-même, mon cousin. À son combat, vous n'avez répondu que par des dévotions. Était-ce une réponse digne d'un roi? La question est-elle digne d'un vassal? Vous faites sonner bien haut votre souveraineté pour le Béarn, mais moi, Philippe, que je sache, je suis encore souverain pour la France. Vous trouverez bon que je vous retire cette lieutenance du Languedoc que vous me demandez depuis si longtemps. Merci, sire. Vous m'ôtez tout scrupule. Je ne vous aime pas, comte Phébus. Mille grâces, sire. Souffrez qu'à son tour et à votre exemple, le comte de Foix reprenne la parole jurée après la défaite de Crécy. Avant une heure, notre armée aura pris le chemin du retour. Sire, vous venez de perdre un précieux auxiliaire.